Bien bonjour tout le monde qui a regardé Kilti Anka. Kilti Anka, c'est une émission qui est dédiée à tout ça qui a tourné à l'entour la Kilti. Et c'est si, rien qu'ici, ETV, Guadeloupe, vous occupez voir ça, jeudi jour, nous avons des métamaniop. Comme d'habitude, vous avez dit moi, mais des gros morceaux faits. Des gens qui battent Gwo Ka, toute dimension à eux, pour apprendre mon jouer, pour apprendre mon danser, pour apprendre mon lit Gwo Ka, lit tout ça qui est à l'entour Gwo Ka. Alors, des invités là, à qui présenter, premièrement, Teddy Pélissier, Teddy qui genre. Eh bien, on l'a, merci pour cette invitation là, on l'a, Tienbé. Deuxième invité à moi, c'est Jean-Fred Castry. Alors, Jean-Fred, son bouquet particulier, il pas venu Saxaï jeudi là, mais en général, toujours à déplacer Saxaï. Qui genre, Jean-Fred, pardon. Eh bien bonjour tout le monde. Hein. Merci d'inviter nous là, parce que nous parlons souvent, malgré que nous évoluons dans même la règle là. Mais nous comptons nous là, bien bonjour tout le monde, l'année là qui a fini et nous préparons d'autres. Eh bien, ça qui est formidable, c'est vrai que nous débattons à l'entour à tout ce qui a tourné si Gwo Ka, histoire tambour, qui j'en ai eu à vivre. À quel commencer par Teddy? Teddy, depuis combien de temps en Gwo Ka? Et Kaibao, science là, pour dire, bon, ben, faut apprendre la jeunesse, faut apprendre mon jouer. Alors, ni longtemps, moi, en Gwo Ka, parce qu'en fait, premier 10 ans moins, en 1983, en France, ça pas rajeuni, avait le groupe Reflet des Îles, et en même temps, Adam Larel-Lassa, en tout cas, jouait avec La Briscante en France, on jouait avec Santana, on jouait avec Dao Adélaïde, enfin, on l'obitait, et puis, en 85, on retournait. Mais l'œuvre en retournée, on comprend qu'on connaît Gwo Ka. Alors, on a eu une manifestation à Gwo Ka et on a moins compte qu'on pas connaître Gwo Ka. Donc, on recommence l'école là. Alors là, on a dit pas connaître Gwo Ka parce qu'apparemment, on n'a qu'à jouer. Est-ce que c'est ces codes-là qu'on n'a pas connaître parce qu'apparemment, on n'a qu'à jouer Gwo Ka parce qu'au Japon, on dit ça. Ces codes-là, c'est ces codes-là qu'on n'a pas connaître. Et là, on n'a pas connaître ces codes-là. C'est comme si on n'a pas comprendre nom à Gwo Ka là. Alors, on a vu Carnot, on a vu même M. Delos, on a vu Lomoun, on a resté longtemps qu'à suivre pour comprendre. Et là, on va comprendre bien, on dit qu'on sait que c'est pas normal, faut que les Guadeloupe connaissent ça. Et on dit, ça, moi, apprendre là, on peut pas laisser un vent en moins, faut apprendre mon lit et en décider ouvert l'école Calbasca. Est-ce qu'elle est ouvert l'école Calbasca? Ça t'est facile. Est-ce que, on dit, Pep Guadeloupe, Pep, naturellement, adhérer à tout ça au fait, si, qui genre, pour décater Gwo Ka et apprendre mon jouer? Ah, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, parce que tout le monde sait que, mon alaré la Gwo Ka, il n'a pas bien vu. Il peut dire, moi, ça, il a c'est. C'est gourmet, ni des gens qui ont fait résistance, ni des gens qui n'ont pas bien vu. Donc, ça a toujours compliqué. À présent, Gwo Ka la vin, on sort des modes. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas bien vu dans le Gwo Ka. Alors, mon Gwo Ka était resté entre eux. Et moi, en cas songé, là, vous avez les roses. C'est les mêmes gens qui ont été vrai tout le temps. Hein? Je savais. C'est les mêmes monde quand tu es les mêmes musiciens, les mêmes danseurs, etc., etc. Donc ça n'a pas été évident. Et puis en fille à musique, à force combat, à monde en télé, monde en radio, monde qui dédié vie à Gwo Ka là, ben Guadeloupe a commencé à comprendre que premier musique à c'est Gwo Ka. Et ça a aidé, on l'olé l'école. Et puis enfin parler aussi des travail là que l'Académie du Café là, l'ouvre l'Académie du Carivé, il ouvrait porte pour le monde. Donc ça fait tout le monde bien. Tout à fait. Jean-Fred, on va vous écouter. On savait qu'à un moment donné, vous voulez avec un grand maître qui s'est Gérard Lequel, qui quittait nous pas ni longtemps. On savait que vous, musique en particulier, c'est tout ça qui a tourné à l'écriture. On savait que ou dans le milieu du Gwo Ka, mais depuis combien de temps aussi que dans le milieu, qui gens arrivent faire, nous prenons le terme là, ça, gamin. Eh bien, comme nous tous, nous avons un petit âge, donc ni longtemps aussi. Inévitablement, ni longtemps. En fait, enlever à Paulin, en terre Mayolé. Alors, c'est Paulin Moulin, ouais, au monde du Pabonnet. Donc, on est très tôt sensibilisé à la musique populaire. C'est-à-dire que Dougou est dans en campagne, là, la musique là, roulé, mon aouane, donc ça a attiré l'attention à moi. Après, c'est ça en lot, voir mon jouer. En plus, c'est des gens qui connaissent, puisque c'est presque la matière à la famille. Mais ça qui est important pour moi, c'est qu'on a eu une chance. C'est peut-être la première génération qui a eu une chance d'apprendre avant de jouer. Expliquez-vous, qui j'ai appris avant de jouer. Attends, qui j'ai dit qu'à expliquer qu'il jouait avant le groupe et après ça, il prend conscience qu'il faut regarder d'autres gens. Oui, il faut faire musique en d'autres gens. D'accord. Et moi, en fait, quand on t'ai dit, il faut tant qu'à c'était moi apprendre avant quand il t'ai dit, moi, au Pérou. Et moi, aujourd'hui, je me dis, son chance. Parce que dès le départ, à ajouter en partie intellectuelle, en partie comprendre, en partie... Attends, ça veut dire que dans le Broca, à l'époque, pas tenir intellectuel, c'était rien qui venait, alors. Non, pas ça. Ça veut dire faut pas... Après, choquer, parce qu'il faut ça. Les départs opposables, en fait. Les départs opposables, Adam vient intellectuel. Attends, tout le monde voler son métier. En cas de ces élèves-là, souvent, étaient dit qu'on confirmait. Alors, ils ont vrai, musique là, ils ont dit musique à vient notre gars, gaz et cabazot, pour apprendre à jouer. Eh bien, ils n'ont pas été si vieux qui ça. Non, et nous pouvons même généraliser. Ça dépend qui monde qui dit, vous venez, si on croit ça, on est dans les rêves. Peut-être que Adam Rayon a d'autres méthodes, ils ont d'autres regards, d'autres respects. Si vous respectez, vous avez chance ça, vous pouvez venir plus qui c'est là qui croit que vous êtes gentil là. Mais tout ça pour dire que le fait qu'en posant la question à qui j'en peux apprendre, ça fait moi apprendre en accéléré, et ça fait moi apprendre étape par étape, et pas laisser à hier derrière. La méthode là, c'était qui? Parce que l'on dit on apprend, c'est méthode là, c'était qui, Jean? Parce qu'on parlait d'un moment donné le côté intellectuel. Oui, on commençait déjà par faire Mayolé, enfin, par participer à Mayolé, par oser, relativement réservé, par rentrer en ronde, mais ça te capte mon lot. Après, en au saxophone, on commençait à apprendre des petits morceaux à l'oiseau, on commençait à apprendre des petits morceaux qui étaient à Tisselès. C'est pas ça qui était. Mais pourquoi on prend avec sax là et on pas travaille en particulier, voilà? Est-ce que ça t'est volontaire? Parce que nature, moi-même, un saxophoniste, on pas chanter. On a déjà choisi saxophone. C'est-à-dire qu'il faut savoir que depuis à 9 ans, on a joué flûte à bec, et on a joué flûte à bec, et on a joué même attaquer des morceaux à Émilien Thiel. On begin à la flûte avec. Donc on était très tôt, très technique, parce qu'on était répété ça, on était passionné, on était répété, on était fait l'eau faute, parce qu'on est tout bité, mais on était passionné, on était attaqué des bêtes difficiles. À la limite, on a quand même fait, on a quand même pris conscience qu'elle est difficile, on a quand même fait un autre bité, mais ça était naturel pour un jeune monde d'aborder ça et qu'attendre. Et qui l'idée qui va créer l'école Sifrim? Alors non, l'autre travail qu'il fait avant, créer l'école Sifrim, c'est à la fin. Donc premièrement, en jouer, on a eu la chance de commencer par fixer moi un objectif qui était de jouer saxophone. Après, là, on vient apprendre un discours à les camarades à l'entourage auquel que ça possible de jouer Gwo Ka avec un instrument. Moi, on dit, bien qu'on fait les deux ensemble. À apprendre les rythmes, à apprendre très peu ambiance à marquer, on va dire qu'on est marqué, mais essayer de capter qui j'en marqué, qu'a placé par rapport à un bout là, et à développer, travailler la saxophone au moins jusqu'au jour que Gérard lequel vraiment a joué sur une plage. Il dit moi après, je ne la sens pas bien, je dans la ville. Il dit, tu m'as ça qui arrive, il faut ça, dis-moi, qui tu m'as ça? Il dit ça. Il n'a pas dit ça, il dit ça au moins 15 ans après. 15 ans après. Oui. Mais à partir du moment qu'il a été repéré, moi, il a encouragé moi. Et donc, acheter l'IVAI en fait travail là. C'est-à-dire, on jouait pratiquement 3 heures par jour pendant 4 ans. Et essayer d'apprendre tout ça qu'il y a à apprendre, que ce soit en saxophone là lui-même, que ce soit à Gwo Ka, que ce soit à les phraser, qui fait que jour 10 jours, là, il faut travailler là, on prend conscience de ce qui a passé à Gwo Ka. Mais, alors, encore une vérité dit, parce que, pourquoi on a dit ça? Parce que là, quand on a parlé, Jean-Fred, et quand on a dit parler, nous habitons qui clair. Nous avons vient qui des musiques, que ce n'est pas un travail, parce que là, quand nous autres parler, on aurait dit qu'on va vivre ça 24 heures sur 24. Professionnellement, qui j'en ai fait, t'es dit? Ah ben, moi, habitué moins, parce que, enfant, on travaille à Guadeloupe première, à RFO, La Pointe, après ça on travaille dans un magasin, etc. En tout cas, adapter moins, parce que rien pas de plus important qui Gwo Ka là. Et c'est vraiment un choix. Des fois, ça quand même arrivé de regretter, parce que on est timoun. Et là, on Gwo Ka, des fois, on pas vrai timoun a grandi. Et ça arrivait moins. Donc c'est pour ça que c'est un sacrifice. Hein, et qui est la famille qui a concilié ça? Est-ce qu'elle peut comprendre tout ça qu'on vivre? Alors, si vous n'avez pas madame qui est conciliante, vous avez payé péritance. Qui a même la relève. Ah, ouais. Même la relève. Ah, oui, ça. Il peut payer au parti tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs. Parce que des pauvres, on homme qui parti en case là, à force, madame là qui dit c'est des femmes Mouka, etc. Souvent, il y a un monde qui accompagne, etc. Opérer ici. C'est vraiment un sacrifice à faire. Le mot sacrifice, c'est raide, mais c'est ça. Parce que, dans le milieu, il y a le monde qui pète madame là comme ça. Hein? Parce que madame là, pas te paye encore. Là, on voit tous les vendredis, tous les samedis, ou en Gwo Ka, etc. Et ou pas vrai si on a grandi, et ou quoi jouant les roses, mais là, des fois, là, on rentre, ou jouant, ou sortir les roses, là, on va pisser sans, ou pas ni pour sécurité sociale, pour rien. Donc, c'est assez complexe, mais la passion veut que, ou aimer, et le Gwo Ka son façon de vivre. Est-ce qu'on peut penser qu'à travers tous les dés qu'il a, sans encore vivre là, ni par exemple dimension que les ancêtres habitent les autres pour faire ça, encore fait là, je dis jour. Ah, moi je suis en persuadé. Hein. En persuadé. De toute façon, plus on comprend l'âge, plus on comprend que chaque bitin qui a vu une bitin par rapport à un bitin, qu'on dirait le Cuber, le voix sans didon, c'est guidé, il y aura guidé. Parce que, encore ouais. Que Mouna Gwo Ka, en général, là, il y aura été joué Gwo Ka. C'est que malheureusement, il y a au fil là-haut. Hein, parce que pour gens qui dans le Gwo Ka, même s'ils rentrent en religion, ils ne parlent pas de Gwo Ka. En cas de ça, parce qu'on connaît deux ou trois, même là, ils sont en religion, ils ne parlent pas de Gwo Ka. D'accord? Et vous, Jean-Fred? Démarche à moi, c'est un différent. Et ça qui arrive en vie, c'est là, comment c'est Gwo Ka au sérieux, en déjà militant. En déjà prendre position. Pourquoi prier aux militants? On déjà prend position. Mais militant qui j'ai parlé. Ah non, parlez, nous pas parler. Franchement, dis-moi quel type de militantisme. Militant pour comprendre que la vie c'est création. C'est-à-dire que si vous pas créez ta et si vous voulez qui consommer ta les autres, ou déjà dans les rêves. Si vous voulez adapter ta les autres, corriger ta les autres en genre pour vous consommer, ou déjà en retard. Parce que vous avez fait une version en première intention qui a créé ta. Vous quoi venir, quoi pointer, quoi modifier, en retard. Donc, très bon dé, quand il dimension là, ça défend pour payer. On commence par ça. Là, on a dit, on militant, on a pris conscience qu'il faut faire pour payer. Et que là où on fait habiter, payer est plus important que vous. Alors, c'est important, ça, on a dit là. À quelle poser, on dit question qu'on pose, était dit, vous, on savez que vous êtes dans le milieu hospitalier. C'est bien ça? Et vous êtes arrivé à concilier vraiment les deux? Oui, parce que pour moi, priorité là, c'était musique. Priorité, moi, c'est. Et la vie familiale qui j'en dégage. La vie familiale, on mettait tout le monde en musique. On met tout le monde en musique. Tout le monde en musicien. Ni deux qui peuvent jouer événement en concert, ni d'autres qui peuvent chanter, qui peuvent avoir une occasion. Mais tout le monde en musicien, tout connaît solfège, connaît improvisation, connaît au moins son instrument. C'est très important. Donc, il n'y a pas de choix non plus, il commence, c'est très bon. Et maman, c'est chanteuse, elle n'est pas des chanteuses publiques. Mais c'était une madame qui était passionnée des chants, et donc ils comprennent ça très bien. Quitté? Oui, ils m'ont mis en moi. En moi. Ben c'est ça, en condoléance. Nous partons ça, hein? Personnellement, nous partons ça. Oui. Mais, donc, en tout cas, dit qu'on est déjà militant. Et donc, les sacrifices qu'on fait, en fait, avec un objectif, qu'on a des musiciens qui peuvent jouer avec un instrument. Et donc là, on va trouver isolé. Parce que nous sommes de résistance. Les gens qui sont traditionnels, les gens qui toujours fait Gwo Ka avec chant et tambour, ne peuvent pas du jour au lendemain accepter qu'un instrument qui prétend de remplacer. C'est pourquoi inviter les autres. Donc, on va trouver Adam en sorte d'opposition. Donc, une seule solution, c'est aller jusqu'à l'excès. Mais est-ce que dans les oppositions, pas ni création? Non, Non, mais il faut appuyer sur ça pour créer. Parce que on est obligé. Parce que là, nous ne parlons pas de la tête, nous parlons des big bang. C'est des big bang qui ont des créations. Mais opposition qui a des créations. Chaque semblant, c'est qu'un TP a lié plusieurs compétences. Déjà, tempérament, c'est un long tempérament de... Qui opposition trouvée? Des gens qui ont dit des pignes qui m'ont... C'est jazz à pas Gwo Ka. C'est des gens qui ont dit ça. Est-ce que c'est même les gens qui ont dit gérant local ça? Ah oui. Ah oui, mais c'est une impression qui a dans la population la même, que des pignes à pas Gwo Ka. Donc, si on n'a pas compris... Il n'y a pas coûté Mavounzi, il n'y a pas coûté Émilie Antil, il n'y a pas coûté Vélo de l'époque, tous ces détails-là. Et Ticélès, Yvon Zala, tout le monde là. Mais c'est même plus complexe que ça, parce que nous savons dans quel tient nous. Nous sommes des gens qui, dans la culture créole, mélangée, nous sommes des créatifs. Nous sommes des gens qui jouaient instruments Adam Begin, instruments Évêque Tambour. Tout ça pas Gwo Ka, hein. Instrument avec tambour pas forcément Gwo Ka. Pour jouer Gwo Ka, il faut garder kaki Gwo Ka. Et là, on peut garder kaki Gwo Ka. Premier but, on peut comprendre. C'est que Gwo Ka pas rien qui, ni gamme, ni son. Gwo Ka, c'est tout un certain nombre de critères sur lesquels... Là, c'est vision, ouais. C'est important. C'est ça, moi, en garder, en vrai. C'est ça qu'on voit. Non, non, mais là, écoutez-moi, d'accord avec moi. Gwo Ka, c'est les sons qu'on a utilisés, c'est les phrases, genre qu'on a phrasé, c'est les rythmes. Mais nous savons que phrase en Gwo Ka, et que tu dis la parole, parce que nous avons parlé d'opposition. Alors, chaque monde qui a gardé nous à Kazayo, nous prenons opposition, nous là pour expliquer qu'est Gwo Ka. Et ce n'est pas par hasard qu'on choisit des métamagnocs. Teddy Pélissier et monsieur Jean-Fred Castry. Teddy, bonne version. Alors, moi, toujours qu'à dire que le Gwo Ka est pluriel. Très bien. Et nous, si j'ai qu'à parler de Gwo Ka, son façon de vivre, son façon de manger, son façon de comporter. Et Gwo Ka, un Gwo Ka grand. On y Gwo Ka traditionnel, on y Gwo Ka moderne, on y Mayolé, on y Wonveillé, etc. Il n'y a pas en opposition avec l'autre. Il faut nous arrêter ça. D'accord? Dans ce style-là, on est Indestras, on est Jabrun, on est Sayoka jouer la pointe. Il n'y a pas d'opposition. Dans tous les styles, si par exemple vous tapez si Google, un moteur de recherche, ou tapez Indestras ou Jabrun, si vous ne pas mettre devant elle le terme Gwo Ka ou pas Adam. Exactement. Et c'est ça qui est important. Exactement. Là, on peut mettre le terme Gwo Ka ou pas Adam même. Continuez. Exactement. Et c'est ça qu'a expliqué les élèves en moi. Nous avons une musique qui est riche et fait dans toutes dimensions. Si vous attirez vers le Gwo Ka moderne, fait. Si vous attirez vers une espace, fait aussi. Mais par contre, ça est bien, c'est que si vous fait, il faut faire vers l'excellence. Dans tout ça, vous avez fait essayer d'apprendre lui. Et c'est ça en TV. À quel moment, pour vous, il y a une excellence? Alors, est-ce que le peuple a ressenti ça comme l'excellence? Oui, parce que, quoi qu'on en dise, là, on voit un côté, quand je joue tambour, à part un côté qui n'y a l'homme, non? Là, on voit un côté où quand je joue tambour avec certains monde, on a senti que, quoi voyager, ou dans d'autres planètes, ou attraper frisson, ou ça ne attraper ça aussi, le vote de Kayan les roses avant, ou arrivant les roses là, moins maintenant, parce que les roses là viennent en sorte de les roses commerciales, mais le vote où tu es rentré dans les roses avant, ou tu es attraper frisson, ou tu es voyager sans bouger. Pour moi, ça c'est l'excellence. Alors, l'oracle de Gwo Ka, on sait qu'à un moment donné, on est des référents. Dans le milieu, nous tous, on est des référents. Notamment Robert Loyson et bien d'autres. Mais sur les gammes, à quel il est phrasé, nous avons un monde qui vous en particulier, peut-être en trompez-moi, hein, qui c'est Marcel Oliadivello. Leur a parlé des Gwo Ka, qui j'en crois rentrer en matière là ça. Leur a parlé des définitions Gwo Ka. Est-ce qu'elle est en train de là ça? C'est-à-dire que nous en cas écoutez, tu dis, effectivement, les critiques apprennent l'ensemble des formes à expression à l'entour tambour, hein, qui c'est Benadin, Mayolé, Mouka, etc. Veillez donc, aussi, veillez. Oui, bien sûr, c'est surtout d'ailleurs. Surtout, ils ont toutes de l'excellence à d'ailleurs, parce que nous démettons à d'ailleurs toutes. Tout pratiquant pas excellent Mais chaque forme-là, nous démettons. Mais nous, je dis, en 2023, là, nous passons au recensement à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qui est-ce qu'on peut organiser ça? Moi, question à poser, parce qu'on est quand même plus de 45 ans. Et on a la chance de commencer à commencer par l'intellect. C'est-à-dire qu'on commence à poser moins de questions. On ne pas jouer d'abord, à apprendre en posant des questions et à essayer de résoudre le problème. Donc, on était 40 ans qu'à chercher ça, qu'à chercher à comprendre. Et d'ailleurs, on ne connaît pas qu'à jouer. On ne connaît pas qu'à proposer des solutions. On ne peut pas dire ça juste. On ne peut pas dire que c'est meilleur gens pour faire. Mais c'est ça, en fait, la réalité. On ne connaît pas qu'à les ouest tout partout. On ne connaît pas qu'à jouer en les ouest. On ne peut même savoir ça. Ça qui est important, c'est que démarche, c'était de prendre des morceaux, analyser pour garder ce qu'il y a dedans. On prend 120 comme ça. Analyser et en vrai ce qu'il y a dans chaque morceau là. Donc là, on a dit, il ne faut pas nous faire l'erreur d'échanger des croquets Gwo Ka. C'est qui sont, ou qui rythme, ou qui phase. Gwo Ka, c'est tout à la fois et c'est même un équilibre entre tout. Tout ça, nous d'accord. Oui. Et après, moi, on a dit que, d'accord, pour nous dire que Gwo Ka, c'est all style. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons proposé un petit monde. Parce que maintenant, pourquoi enfants à l'école? Et nous avons 5 enfants à l'école qui nous ont essayé Sifrim. Et actuellement, nous sommes commencés en formation professionnelle continue pour les gens qui veulent des diplômes dans les métiers du Gwo Ka. Donc, depuis que ça n'a fait par hasard, c'est 40 ans d'expérience. Mais est-ce que le diplôme là, ça, parce qu'on a eu l'occasion de poser une question là, oui. Est-ce que ce système là, que nous prenons nos positions, mais pour montrer qu'on nous peut faire, est-ce que le diplôme là, ça, est reconnu par l'État français? Alors, Mankadiou, qui répond ça, c'est oui. Qui répond ça, c'est non. Ça ne va pas changer rien pour moi. Ça ne va pas changer rien. Non. Qui est reconnu? Qui est reconnu? Ça te dit très bien, parce que ça te dit qu'il n'y a pas de bon coup de main. Alors, ça veut dire pas reconnu. Si il est reconnu et qu'il n'y a pas de bon coup de main pour faire, c'est très bien. S'il n'est pas reconnu et il n'y a pas de bon coup de main pour faire, nous, il faut nous faire nous-mêmes. Ça nous d'accord. Dans les deux cas, à l'aise. Ça nous d'accord. Mais à quand même que nous restons, c'est ça qui est fondal pour moi. C'est que là, nous faisons constat à tout ça qui dit, tout ça genre qui dit. Mais chaque genre d'expression à l'endroit tambour que nous dit, c'est des maîtres. Donc, c'est de l'excellence à d'ailleurs toute. Et pourquoi nous pas faire sélection à toutes ces excellences-là, ça, et font qu'on équipe football, on nous arrête de jouer sans lier ou sans gardien ou sans bité. On nous fait une équipe football là qui est tout. Vous connaissez pas vraiment créole là. Les cadieux, des malcrabes, pas rester en même tout là. Mais là, pas ni plusieurs malcrabes. Non, oui, mais attends, mais Jean-Fred, nous connaissons le problème là, nous peut parler des sangs qu'il tient quand nous connaissons le problème là. On peut écrire des musiques en façon qui t'a, d'autres qui écrit différemment. Nous savons ça. Et nous, attendons. Et nous pas arriver à tomber d'accord. Qui j'en veux, nous, prend l'excellence de tout musicien et sembler foncer. On ne pas dire l'excellence à tout musicien, parce que ça, c'est chaque monde qui est vrai. On va dire l'excellence à ça qui est possible de faire. Par exemple, nous, qui nous dit à nous, à l'entour tambour, quand nous va faire. Attends, laissez-moi faire une phrase, parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Nous savons qui j'en en boula, kaboula. Qui est en Mayolé, qui est en Gwo Ka, qui tout partout, ça très proche. Après, les Marocains qui ont joué différemment. Après, les chanteurs qui ont chanté différemment. Après, nous avons une musique là, qui a improvisé, mélodie. C'est une musique à veiller. Pas forcément rien qui veille. Oui, mais enfin, celle-là, c'est fondamental. C'est rien qui ça d'ailleurs. Le major a donc veillé, il a chanté, il a raconté une histoire. Oui, mélodie, il n'a pas écrit, mélodie, il n'a pas paraphrasé, il n'a pas répété. Antibité, c'est... Oui, mais attends. Alors, Akaba te dit la parole, parce que Laura parlait de veiller, Gwo Ka, ni tout, chaque mitin, il faut respecter bien là. Tu dis à rajouter. Attends. Tu vas développer. Attends. Enfin, nous payons d'accord si l'excellence. Akadjo, pourquoi? C'est vous qui parlez de l'excellence. Non. Akadjo, pourquoi? Parce que on peut prendre deux ou trois personnes qui peuvent chanter, qui peuvent jouer si 10, etc. Ils peuvent retrouver un côté, ils peuvent jouer et ils sont dans l'excellence. D'accord? Même si nous avons des métamaniocs, etc. Alors, pour moi, c'est très peu de chance pour ce que ça fait. Ça, non. Écoutez ça en cas de jour. Très peu de chance. En cas prend n'importe qui l'école, aujourd'hui là, qui forme des gens. Des gens qui ne peuvent rien faire céder, qui ne peuvent rien faire rien. Ou quand mettre yo ka jouer en côté, c'est dans l'excellence, c'est dans, et même sans école, ça dit que au TK dans des bois, des côtés, des mondes. Et c'est mon TK jouer avec tellement passion. Mais tellement te dit à Kayansa, ça te dit à Kayansa ça aussi, mais sans couper te dit parce qu'il faut reprendre la parole. Ou qu'a décidé de faire avec certains timouns des breaks. Mais ces timouns là a donc break à 10 minutes, 3 minutes, on break musical, hein. Ces types Gwo Ka dans l'excellence et pourtant ils peuvent jouer Gwo Ka. Oui, mais on peut faire, il fait rien qui break, il peut jouer Gwo Ka, il est dans l'excellence. C'est ça qui me, c'est ça qui engendre les moins. Mais c'est pas forcément le musicien excellent voilà, qui va développer quelque chose. C'est pas obligatoirement les métamaniocs, les chantais, les grands tambouillés, les grands maquets. D'après moi, hein, on pense à si on a trompé moins. Mais chaque monde ni excellence en dit dans l'ail. Tout le monde. Et là, on voit au contraire vers des certains mondes, là, on voit tout ça mélanger, ben, pour moi, ou dans l'excellence. Parce que, en général, des côtés, des mondes qui pour gens fait penser des ponts aïens. Là, on a des musiques là qui trappent au niveau et qui a fait voyager sans marcher. Mais c'est ça nous qu'a dit, c'est ça nous qu'a dit, là, nous avons fait un constat. Mais moi, en vrai, qu'un bitin la vie, carré. Là, nous avons parlé d'excellence, je crois qu'en prochain, parler des mondes. Des musiciens, des individus. Là, on parlait des sélections, on parlait des mondes, on parlait de Kilti à nous. Nous ne pouvons pas faire un Kilti former des mondes, parce que moi, je suis responsable d'un centre de formation Gwo Ka. On ne peut pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas former, je dis, je vous, un monde et dire que mon a sa condamné à pas j'ai improvisé. Nous ne pouvons pas former un monde et dire qu'il peut j'ai marqué. Nous ne pouvons pas former un monde et dire qu'il peut j'ai aille devant un danseur. Mais à aucun moment nous dit ça, hein? Non, mais nous pas qu'à opposer le discours à nous. D'accord. Ça, en vrai, c'est qu'elle nous comprenne qu'elle nous a parlé des butins différents, elle nous a parlé de l'excellence. Moi, là, on a parlé de l'excellence, on a parlé de prendre conscience que plus Adam Musique a veillé, qu'elle a chanté, qu'elle a chanté, il a improvisé. Mais à partir du moment que c'est le même Guadeloupe là, que jeudi jour, si Guadeloupe, on a fait aller-retour 5 fois dans la journée. Donc, on ne peut pas nous chanter jeudi jour. Qui chantait là, il 18 ans, 20 ans, 25 ans, il a dit chantait et qui a passé tout le reste en VIP. J'ai improvisé. Alors, excusez-moi, dans la Ronde Les Roses, excusez-moi, dans la Ronde Les Roses, l'improvisation a toujours été là. Et l'Ovotecaille à Sainte-Rose, donc samedi là, ça, ou vendredi là, ça, il y a une chanson en genre, le week-end prochain, il y a une même chanson là. Différemment. Vous comprenez différemment. Oui, mais techniquement, là où dans l'excellence, à part ça qui est improvisation. Alors, attends. Expliquez-moi. Vous quoi coûter? Vous quoi coûter? Alors, on nous fait l'absurde. Vous quoi comparer improvisation là ça avec l'excellence, pour moi, qui c'est l'excellence à ça la Guadeloupe, ça nous fait une improvisation qui, incontestablement, c'est ça, c'est Bouga Veillé là qui fait. C'est Bouga qui a créé un texte et une mélodie en même temps. Bon, cela a duré 3-5 minutes, il n'y a pas j'ai dit des fois même bité. Mais dans la Ronde Les Roses aussi, il y a fait ça. Il y a vu le soir même, il y a improvisé un morceau. Tu dis, à nous regarder qu'il dit à nous, à pas même niveau d'improvisation là. Non, à pas même niveau là, mais il y a fait. Mais moi, là, ça a parlé de sélectionner meilleurs joueurs là, dans chaque style de ça nous a fait. Et ça, ça a fait avant Ronde Veillée, mais c'est fini. Alors, expliquez-moi. Donc, ça a parlé de l'excellence. Jean-Fred, l'excellence, par exemple, on va parler des Rondes à Veillée. Rondes à Veillée, quand on a dans l'arel qui est particulier. D'accord? Et l'arel là, ça, je l'ai retrouvé où a tel monde qui mort, demain où a tel monde. Mais l'excellence, variation des mélodies là que Bouga prend là, il a fait même bite là dans d'autres veillées. Et vous pouvez regarder les textes de Sergius, vous pouvez regarder ta Robert Loyson, vous pouvez regarder ta Yvon Zala, et bien d'autres, Germain Calixte, vous pouvez vrai que l'improvisation a resté toujours intacte, même genre-là. Vous pouvez dire, 2 ou 3 chanteurs qui viennent avant morceau, qui n'ont pas ni l'habitude, c'est autre chose. Mais les mêmes chanteurs de l'époque, ou que vous voyez, vous chantez toujours le même bidon là. Alors, comment ça on va dire là là? Vous dites, moi tout à l'heure, c'était point de vue à moi. Mais là, non seulement c'est point de vue à vous, mais c'est point de vue à la majorité à mon aujourd'hui. Alors, attends, vous pouvez développer, vous pouvez marquer un petit pause. Est-ce qu'il n'y a pas de raison? Attends, c'est intéressant. Attends, c'est très intéressant. Nous pouvez marquer un petit pause. Nous n'y déinviter et à radio sincèrement, à rapprocher à moi. Parce que discussion la belle Et c'est comme ça pour Guadeloupe, il peut discuter. Sans nous l'ennemi à Pomona, deux grands invités, Teddy Pélissier et Jean-Fred Castry. Nous avons dit à nous avons marqué une petite page publicité et nous avons revu.